Bonjour, 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 bonjour la famille. Bonjour Ahmed Salah, bonjour Jordi, bonjour la Samance, bonjour Maman Olga, bonjour Asma, bonjour Laurent, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Kondo, Togo. Et voilà. Nous sommes le 24 11 2023. Je crois que la première chose, c'est les bonnes nouvelles que chacun de nous voit dans l'écosystème comme message flash. Je vois aussi sur certains forums que l'information, chacun écrit, raconte comme le bon le souhaite. Non. Je crois qu'on a tout compris. Vous voyez, mon passif. La priorité, notre entreprise est basée sur élever l'humanité, aider l'humanité. Donc, H, il a encore cassé les prix. Vous voyez, il y a des bonus pour ceux qui ont activé l'abonnement depuis le 1er septembre jusqu'à le 30 novembre ou 1er décembre. Pour eux, il y a une prolongation de 1 mois d'une valeur de 125 dollars. C'est-à-dire que 4 mois. Vous voyez? Et pour les autres, en tant que fondateur, au lieu de payer 143 dollars, ils vont payer que 93 dollars. Une remise d'une valeur de 50 au coin. Vous voyez? Et que pour le client, au lieu de payer 240 dollars, encore pour eux aussi, ils vont payer que 190 dollars. C'est-à-dire que c'est une valeur supplémentaire de 150 au coin qui a été enlevée. Ils vont payer que 190 dollars. C'est toujours ces 3 mois. Attention, cette offre va débuter le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Uniquement pour 1 mois, cette offre. Que ce soit fondateur ou client. L'offre va débuter le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. À partir de cela, il y a d'autres offres qui vont venir, dont on aura plus d'informations avec notre CEO au début du mois de décembre 2023. Vous voyez? Comme vous le savez, ce genre d'offres, c'est une offre qui existe partout. À chaque fois qu'il y a la fin d'année, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre pays, de grands magasins, ils cassent les prix, il y a les nouvelles qui arrivent. Et à la fin d'année, il y a la promotion partout, que ce soit physique, numérique, il y a toute une offre promotion partout, même chez nous aussi, comme vous le voyez. Donc, ceux qui n'ont pas activé les paquets jusqu'à maintenant, dû au problème de cartes, eux, ils ont une grande chance de payer, au lieu des 143, ils vont payer que 93. Signifie 93 plus le 107 qu'on vous a remboursé, c'est ça que vous allez payer, s'il vous plaît. Faut pas jouer les malins. C'est pas des 107 que vous allez enlever des 93 que vous allez payer. Non, non. Vous allez payer de vos poches 93. Déjà, les 107, c'est déjà là. Donc, vous allez payer 93 plus 107. C'est comme ça que vous allez payer. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de jouer les malins. Je vois dans le fora, il y a des informations qui défilent partout, hein. Non. Et voilà, c'était le bonus. Voilà. Et pour ceux qui ont activé avant le 24 novembre, ils auront 1 mois de plus. Mais ceux qui ont activé après le 24, c'est-à-dire que après le 24, ils n'auront rien. Allô, Mohamed. Oui, bonjour mon frère. Oui, bonjour, Mohamed. Comment vous Oui, allez? ça va magnifique mon frère. Et toi bien? D'accord. Ouais, très bien, très bien. Super, super. Oui, je disais que pour les fondateurs, comme on les a donné 50 au coin, c'est que les 50 au coin là vont aller s'ajouter aux 107. Et ça va faire 157 au coin dans leur wallet. Et ils ne payeront que de leur poche 93.
Parce que les 50 OS de bonus là, ça fait partie aussi du paiement de la connexion. Merci. Voilà, c'est ce que je disais. Parce que déjà, nous l'avantage, on a déjà les 107 qui est remboursé. Vous voyez? Avant, il y avait 107 qui étaient remboursés et maintenant de plus, juste en payé que 143. Maintenant, avec les 50 au coin qui nous a été laissés, de 143, dès que tu enlèves 50, vous voyez, il y a 93 au coin qu'on va payer. Donc, 93 au coin. Nous, de notre poche, on paye 93 au coin. Plus il y a 100, c'est qu'il y a dedans. On paye comme ça. Boum. Pour le client, et au lieu qu'il paye 240, ils vont payer 190. Vous voyez? Quand si je parle... Pour le paiement par carte, la société, on travaille dur pour mettre à la hauteur le paiement par carte, ainsi que pour le fondateur et pour les clients. Vous voyez? Ainsi que pour le fondateur et pour le client. Ils ont mis pas mal de processus, pas mal de solutions pour que tous les clients et fondateurs, pour qu'ils paient sans problème. Et nos membres fondateurs aussi et nos clients peuvent se payer sans problème. Ça sera automatique aussi. Tout le monde qui a soumis les retraits peuvent récupérer sans problème aussi. Ce processus, ça va augmenter de plus petit au plus grand. C'est-à-dire que du plus petit, en examinant le flux de trafic, comment elle rentre, en même temps, ça va augmenter de plus petit au plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de basculement, il n'y aura pas de bousculade, tout le monde peut payer sans problème, tout le monde pourra payer sans problème, vous voyez. Comme H nous a dit dans les messages flash dans l'écosystème, il y a beaucoup d'options qui sont rajoutées, beaucoup d'options qui sont mises en ligne et que nous, on ne voit pas de l'autre côté, mais vous voyez, Chris Johnson et Marty de Garmont, hier, ils parlaient de ça. C'est une bonne nouvelle qui se passe, c'est une bonne nouvelle, hein. Comme vous le savez, même si ces promotions ne vont durer qu'à un mois, H l'a déjà précisé, c'est 30 jours sans ajouter. Vous voyez, ce n'est qu'un mois ces promotions. Après ça, aux alentours du premier semaine du mois de décembre, H va nous annoncer les agendas et tous les nouveaux packages, les nouveaux produits qui vont venir. En fait, si tout se passe bien, vous voyez, il va nous expliquer les différents paquets qui vont venir, les différents autres qui vont, paquets qui vont vraiment venir. C'est de l'or, vous voyez. Comme vous le savez, sans oublier, nous sommes dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est la révolution de l'IA avec un passif. C'est comme si on est en train de transformer l'intelligence artificielle pour remodeler les industries à travers le monde. Vous voyez, grâce à l'innovation révolutionnaire et à des technologies de pointe, comme vous le voyez, hein, 3.0 des technologies SaaS. En passif est toujours dans une avant-garde, vous voyez, de cette révolution. Elle redéfinit la façon dont l'entreprise fonctionne. Tant que ces solutions sont basées sur l'intelligence artificielle qui apporte l'efficacité, une solution à toute autre entreprise, que ce soit petite ou grande entreprise. Vous voyez, c'est une efficacité qui va apporter une efficacité évolutive et une automatisation sans précédent. Imaginez 1 400 000 fondateurs, chacun d'eux, lorsqu'ils programment l'abonnement de tous les produits au Connect. Par exemple, tu programmes un abonnement au Connect pour 3 mois. Et moi et les autres 1 400 000 fondateurs, ils font ça. C'est pas les êtres humains qui vont travailler pour prendre les différents. Non, c'est la machine, c'est l'automatisation. Elle va prendre d'aujourd'hui, si aujourd'hui l'a programmé pour 3 mois, elle va prendre l'abonnement des commissions qu'il a gagné 3 mois de là-bas pour payer cet abonnement. Encore, il y a d'autres produits qui vont venir. Il va voir que ce que aujourd'hui a programmé, il va prendre l'abonnement. S'il a fait aujourd'hui pour 1 an, il va prendre pour 1 an. S'il a fait pour 6 mois, s'il a fait pour 3 mois, il va prendre l'abonnement. Elle reste, withdraw wallet, ça c'est qu'il peut retirer, il peut retirer de là-bas.
Ce sont des technologies sans précédent. Elle permettra aussi aux autres entreprises aussi, comme je parlais tout à l'heure, de grands et de petites entreprises, elle va les aider, elle va faciliter tous les problèmes qu'ils avaient avant au niveau de temps, au niveau de tout. Nous sommes au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle et l'immense potentiel de l'IA, comme vous le voyez actuellement, le monde, sans parler de eux, je crois que vous suivez l'actualité. Ils ont du mal à aller de l'avant. Vous voyez, lorsqu'on arrive à toute vitesse, on heurte un mur transparent. C'est donc actuellement ce qui vient de se passer, ce que vous voyez sur l'actualité. Nous, on prend tout notre temps, sans se précipiter. Petit à petit, les oiseaux font sonner. Doucement, petit à petit, en faisant attention à tout. Doucement, vous voyez, on est né grand. On est né grand, on est né vraiment super. Nous avons des produits vrais, nous avons la solution pour tous les départements, pour toutes les entreprises. Donc, nous sommes une entreprise dont la plupart des grandes entreprises ont besoin de nous. Les ONG ont besoin de nous. Le gouvernement, ils ont besoin de nous. Donc, si ces révolutions possèdent des algorithmes très avancés au niveau de l'IA. C'est ce qui témoigne l'engagement d'un passif à favoriser l'innovation, une croissance durable et transforme l'entreprise. Vous voyez, comme vous le voyez, si je mets l'accent par exemple sur la conception du centre de l'utilisateur, les interfaces intuitives, vous voyez, la solution de l'intelligence artificielle simplifie les tâches complexes, ça c'est la priorité. Elles permettent aux entreprises de prospérer dans un environnement de plus en plus, vous voyez, concurrentiel, ça c'est la seconde. Des expériences clients, aux informations prédictives qui guident la décision stratégique. Vous voyez, l'IA est toujours au cœur des grands changements, des grands bouleversements. L'impact de la révolution, vous voyez, dans le domaine commercial, signifie un grand changement du paradigme, vous voyez, dans le paysage socio-économique, en mettant l'accent sur l'accessibilité et l'inclusivité. Vous voyez? Donc, mon passif, comme vous le savez, garantit les organisations, les entrepreneurs, les individus, toutes sortes, même personnels, gouvernementaux, pluriels, ONG, tout, peuvent retirer parti de la technologie transformatrice pour susciter un changement positif et libérer leur plein potentiel. Vous voyez, grâce au petit monde qu'on possède, l'écosystème, avec un engagement envers des pratiques éthiques de l'IA, mon passif cultive une approche communautaire, en favorisant l'innovation et le partage de connaissances. La révolution de mon passif n'est pas seulement une question de technologie, vous voyez, c'est un catalyseur d'automatisation. La croissance des progrès fascinants, un avenir de possibilités sont illimitées. Vous voyez? Ils sont vraiment illimités et l'opportunité abondante. Même si que nous sommes les premiers dans le monde à avoir tout sort ces produits révolutionnaires, je crois même nous serons même les derniers. Il n'y aura pas une autre technologie, une autre entreprise. Mais c'est qui celui-là? Il n'y aura pas une autre entreprise qui va nous devancer. Nous serons le meilleur. S'il vous plaît, vous voyez les chats GPT actuellement. Et vous allez voir aussi l'Académie. Vous voyez tout ça, vous voyez l'Académie qui va révolutionner. Lorsque vous verrez l'Académie, le ChatGPT, elle est rien. Elle va même pas atteindre 0,001%. Non, je vous assure. Parce que directement, ils ont pris l'IA, directement, ils ont mis ChatGPT lancé. Vous allez voir chez nous ce qui va se passer. Vous allez voir chez nous ce qui va se passer lorsque l'Académie va venir. C'est du lourd. Ça sera du lourd. Vous aurez même des profs à travers les avatars. Vous allez choisir la langage que vous allez choisir, les cours que vous allez choisir. Vous aurez même des diplômes qui ont déjà signé des partenariats à travers ces universités. C'est du lourd.
Vous voyez? Donc, c'est de l'or. Parce que nous, nous avons vraiment des arsenals, de tout un arsenal que tout le monde a besoin, malgré la passerelle de paiement qui nous a un peu retardé, mais malgré les passerelles de paiement qui nous a un peu retardé, mais on est toujours de l'avant, mais tous les produits sont prêts. Sont prêtes à utiliser. Ils sont tous sur le pipeline. Vous voyez? Et j'aimerais dire aussi encore quelque chose. S'il vous plaît, il faut bien lire les messages qui se trouvent dans l'écosystème. Je vois certains leaders, ils inventent n'importe quoi. Qui vous a dit de payer une deuxième fois? Est-ce que vous avez un message qui dit que les fondateurs vont payer une deuxième fois? Non, s'il vous plaît. Évitons de parler n'importe quoi. Arrêtons, s'il vous plaît, c'est pas avant ça. Lisons convenablement ce qui est écrit sur l'écosystème. Lisons, s'il vous plaît. Lisons. Il n'y a pas une annonce qui dit que les fondateurs vont payer une deuxième fois. Non. S'il vous plaît, arrêtons de faire des polémiques partout. On paye qu'une fois pour l'adhésion de cofondateurs 97 dollars et 143 dollars pour les fondateurs. On paye l'abonnement au Connect pour 3 mois, pour 90 jours. Ces promotions que vous voyez, ça, c'est les promotions de fin d'année. Vous voyez? Ça, c'est les promotions de fin d'année. Au lieu de, pour 1 mois, pour le mois de décembre, au lieu qu'un fondateur paye 143 dollars, il a une chance, H l'a donné une chance de payer 93 dollars seulement. De sa poche, 93 dollars seulement. Pour les clients, au lieu qu'il paye 240 dollars, il va payer 190 dollars. Ceux qui ont activé avant les 24 novembre, ils auront 1 mois de plus gratuit. C'est-à-dire qu'ils ont 4 mois. Vous voyez, cette offre, elle est valable qu'un mois de décembre. Après ça, il n'y aura pas ça. On verra que plus d'informations de notre CEO H. Moufari. Voyez? Donc, évitons de propager les informations qui sont même pas affichées. Voyez? Ça, c'est très important. Évitons de raconter n'importe quoi. Évitons de dire n'importe quoi. Vous voyez? Actuellement, comme vous le savez, ils sont aux États-Unis. Il y a une fête qu'ils sont en train de célébrer hier, je crois. C'était la fête de Thanksgiving. Vous voyez? Donc, ils sont en train de célébrer cette fête. Vous voyez, comme vous le savez, chacun de nous a un impact sur notre communauté en passif. En avance pour changer le monde, en avance pour corriger la corruption, en avance pour aller, pour nettoyer tous les bordels qu'il y en a. Hein. Chacun de nous, vous voyez, est fier éternellement et reconnaissant envers notre CEO et sa famille, ainsi que des centaines de plusieurs de milliers de partenariats partout dans le monde, en Dubaï, en Égypte, en Allemagne, et nous soutiennent durant notre mission et la vision qui nous aideront tous à laisser un grand héritage. Comme disait Dr. Bill Williams, c'est une dynastie qu'on va laisser. Nous aurons, elle est déjà en place, c'est l'une des meilleures, un centre de données en passif. C'est une grande installation qui héberge des serveurs, des équipements, des réseaux, des organisations, qui fournit avec des outils basés sur l'IA. Les œuvres disposent des fonctionnalités avancées de sécurité, des refroidissements d'alimentation, des connectivités, certains davantages des centres de données vrais, non passifs, comme vous le voyez très bien. Récemment, il y a 2 ans de cela, ce qui s'est passé sur Facebook, WhatsApp, Instagram, ce qui s'est passé.
pendant combien d'heures il y a un blackout. Ouais, malgré les entreprises n'avaient pas divulgué leurs problèmes, mais c'était dit au centre de données. En passif, elle permet aux clients d'avoir un accès à une infrastructure informatique vraiment robuste et fiable sans investir dans le propre serveur. Un espace de centre de données vraiment qui est hyper cool. Elle garantit les données des clients qui sont stockées, traitées de manière sécurisée et efficace. Protection contre tout sort, incendie, inondation, cyberattaque, catastrophe naturelle, tout sort de choses sont à l'abri. Elle fournit aussi une autre disponibilité, des performances, des services passifs, voyez, et notamment des systèmes d'alimentation qui sont vraiment hyper sécurisés. Elle facilite aussi l'évolutif, la flexibilité des services, des capacités et de s'étendre, de s'adapter aux demandes croissantes et des clients dans les marchés. Source d'énergie renouvelable, système de refroidissement, pas mal de choses. Et n'oubliez pas qu'EHH, il fait tout ça pour élever l'humanité, aider. Si vous vous dites, les autres entreprises, on les voit dans les bourses américaines, pourquoi pas en passif? Non, nous ne sommes pas des entreprises qui ne sont pas une entreprise pour se montrer ou pour montrer les chiffres d'affaires ou mettre à l'auteur. Non, on n'est pas dans les bourses et on va pas rentrer dans les bourses. On sera toujours le meilleur. On n'a pas besoin des médias ni des autres médias, France 24 ou des autres. Nous, on a notre propre technologie pour montrer notre produit grâce aux campagnes marketing d'hiver qui s'est passé. Actuellement, est-ce que vous savez, on a signé une campagne marketing, la plus grande campagne marketing du monde. Même Coca-Cola n'a pas. Le Coca-Cola, la dernière campagne marketing qu'elle a fait, c'était 6 mois. Nous, jusqu'à maintenant, c'est non-stop campagne marketing à Dubaï, Burj Khalifa, en Inde. Vous voyez, c'est fort. Jusqu'à maintenant, c'est des affiches. Et faisait laser à Dubaï. Jusqu'à présent, on n'a pas fait sortir nos arsenals au tracker, tout ça, pour lancer une campagne marketing numérique, pas encore. Mais c'est fort, c'est très fort. Oui, bonjour, Safarel. Comment on va? Ah, ton micro. Ton micro, Safarel. C'est fermé ton micro. Ton micro est fermé. D'accord. Voyez, comme vous le voyez, que vraiment, nous sommes dans un moment très fort. Toujours attendons-nous ce qui va se passer dans la première semaine du mois de décembre. Beaucoup de nouvelles, beaucoup d'agendas seront annoncés. Comme je disais hier, des agendas, distribution des bonus, distribution des utilisateurs, beaucoup de choses, beaucoup de joie vont régner sur toutes les fondateurs. Et ne nous jalousons pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne nous jalousons pas. Parce que pendant que Safarel tournait et partageait l'opportunité à tout le monde, et que moi je dormais, j'attendais. Donc je ne vais pas dire que je vais gagner même en tant que Safarel. Non! Le moment que Safarel tournait pour partager l'opportunité, moi je dormais. J'étais un fondateur passif, je dormais. Non, je sais, je dormais, donc j'aurais trippé. Peut-être si je trouve pour boire un café. Safarel, c'est normal qu'il va avoir un peu plus, un montant qui est bien, parce qu'il était actif, il partageait. Il tournait droite à gauche, il sacrifiait sa santé, tout. Ses motos, ses vélos, tout ça. Pour pas droite, il aidait. Que ce soit physiquement en ligne. Vous voyez, ne nous jalousons pas. Donc, si je suis fondateur passif, je me suis inscrit. J'étais égoïste, je n'ai pas partagé. J'ai dormi. J'ai pas partagé. Tellement que je suis égoïste, j'ai gardé pour moi seul. Ou en inventant un prétexte, personne ne vient me voir. Déjà, vous voyez? Non, c'est pas comme ça. Encore, il y a beaucoup de choses, même jusqu'à maintenant. Il n'est pas encore tard pour les fondateurs passifs.
Vous pouvez actuellement faire quelque chose. Vous pouvez gagner plus qu'un fondateur actif, hein? Bien sûr. Mais ça dépend de vous, de volonté. Il suffit de réveiller, écrivez, faire un rapport, une demande. Comment offre. Déjà, la société nous a déjà donné l'étape dans l'écosystème. Vous allez voir en haut avec des vidéos, des images, proposition, l'offre au connect. Envoyez, déplacez-vous, bougez, écrivez. Comme ça, vous pouvez gagner plus, c'est pas DG, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et ce qu'il y a, c'est que l'intelligence artificielle, elle va rajouter sur vous, c'est plus fort. Vous voyez, beaucoup de choses vont revenir. Ça dépend de nous. Ça dépend de chacun de nous. C'est la volonté. Ça dépend de nous parce que chacun de nous doit vraiment, tout d'abord, il faut qu'on soit dans l'esprit que tout va aller, que tout va vraiment à merveille. Il faut que dans notre esprit, il faut qu'on soit positif. Je crois que vous avez un diagramme qui montre que l'évolution des clients et la diminution des nombres de fondateurs. Je vais vous montrer ces diagrammes. C'est la logique. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça ne m'étonne pas que les clients vont augmenter et que le nombre de fondateurs vont diminuer. Que le nombre de fondateurs vont diminuer, ça ne m'étonne pas. Vous voyez? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que le nombre de fondateurs vont diminuer et les clients vont augmenter. Pourquoi? Parce que être un fondateur, il faut être responsable. Il faut être un très bon leader, avoir des informations qui est strictes et claires, sans faire des polémiques, informations justes, précises, exactes. Vous voyez, évitons de déformer les informations qui se trouvent dans l'écosystème. C'est très important ça. C'était écrit tel qu'elle est, elle va rester telle qu'elle est. Lisez, vous allez comprendre. Il n'y a pas grand-chose. En plus, c'est bien détaillé, c'est bien écrit dans l'écosystème. Je ne sais pas pourquoi chercher autre chose. C'est très bien écrit. Je vous assure, j'ai jamais vu une information qui est bien détaillée comme c'est écrit. C'est bien écrit, bien détaillé. Donc, alors que, évitons de dire la polémique, nous sommes dans une très bonne position. Vous voyez, actuellement, savourez. Est-ce que vous avez vu la mise à jour qui a été faite sur Honnête? Est-ce que vous avez vu la mise à jour qui a été faite sur Otrim? Est-ce que vous avez vu la mise à jour qui a été faite sur Omel? Est-ce que vous avez vu la mise à jour qui a été faite sur OnConnect? C'est de l'or. C'est vrai, certaines Omel ne peuvent pas envoyer vers le Gmail ou vers le Omel. Ils sont en train de travailler. Attendez, vous allez voir un nouveau Omel qui va, un nouveau mise à niveau de Omel qui va être à jour. Actuellement, OnNet, vous pouvez partager les audios, les vidéos, les images à d'autres personne sous le honnête. Voyez, honnête. Est-ce que Facebook, le jour que vous avez utilisé Facebook, vous avez besoin de formation? C'est simple, s'il vous plaît. Voyez, c'est vouloir, c'est pouvoir. Si je veux, je le peux. Si je ne le veux pas, je ne le peux pas. Si j'ai envie de faire quelque chose, je peux le faire. Mais si je n'ai pas envie de faire, je ne peux pas le faire. Il faut être curieux pour savoir. Je vous assure, il faut être curieux. Il faut aimer tout d'abord avant de le faire, en évitant la négativité. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Avant de le faire, chaque jour, chaque matin, jetez un coup d'œil sur Honnête, Omel, Otrim, OnConnect. Vous allez voir chaque jour, il y a des petites choses qui s'apparaissent. Vous avez remarqué, hier, on a découvert pas mal de choses sur OnConnect. Ceux qui étaient là hier, ils peuvent le comprendre
Automatiquement. Vous avez vu qu'on a découvert pas mal de choses sur Oconnect au niveau des sons, élimination des bruits de fond et aussi, vous voyez, la résolution de l'écran. Est-ce que vous avez assisté sur le webinaire anglophone de Francis Tahé des Philippines? Vous voyez, c'est les mêmes choses qu'on a fait hier. C'est de l'heure. Selon votre résolution, vous pouvez les choisir. En rentrant dans les vidéos, en prenant dans les Advanced HD, vous pouvez les prendre. Vous pouvez les prendre quand vous voulez. Je crois que, est-ce que vous voyez mon écran clignote? Maintenant, ça, c'est, je suis en train de changer la résolution. Ça, maintenant, je fais sur 25. Maintenant, je fais sur 60. Vous voyez? C'est plus fort. Sur les audios aussi, il y en a la suppression des sons, les échos, tout ça. Oh là là, c'est fantastique. Hein? Nous avons tout un arsenal dans le Haut Connect. Ça, ce n'est que le début. Hein? Maintenant, vous avez vu les streamings. Les ingénieurs, la société, ils ont besoin de notre suggestion. Si on voit que quelque chose ne passe pas, il faut le signaler. Ça se passe. Pour certaines personnes, pour le streaming sur YouTube Live, ça se passe pas pour d'autres. Hier vers la soirée, j'ai fait un test avec mon ami du Pakistan, Wassim. Pour lui aussi, ça fonctionne pas. Pour lui et pour les autres. On a fait un deuxième test, ça fonctionne pas. Lui, il a envoyé, il a signalé de sa part, moi aussi, j'ai signalé. Ils vont le résoudre, vous voyez. Mais pour certains, ça passe très bien. Les streaming, ils peuvent se faire sans problème. Vous voyez? Ah bon, nous sommes dans une très bonne position. Actuellement, surtout, il faut faire attention sur votre email alternatif, Gmail surtout dont je parle, parce que j'ai dit email Gmail. Il faut faire très attention parce que lorsque je parle, il faut faire très attention. Parce que bientôt, Gmail va nettoyer toutes les emails dormantes, toutes les emails qui ne sont pas opérationnels. Donc, essayez au moins d'envoyer un bonjour à d'autres Gmail, même entre vous-même, un bonjour. Écrivez un bonjour et l'autre qui t'envoie un bonjour. Simple chose. C'est le minimum de choses qui doit se faire. Au moins. Ça, c'est très important. Au moins, ça, c'est très important. Parce que nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes dans la très bonne direction maintenant. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes vraiment dans le très bon endroit. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir cette chance de profiter de ce genre de bijoux avec moins cher. Encore, vous voyez, imaginez, encore 400 à 190 dollars avec 10 000 places et comparé avec 6 190 dollars par mois et l'autre 190 mois. Vous voyez? Vous voyez? Oh là là, vous voyez? Yaka, s'il vous plaît, ton micro. Ouais, Mohamed, bonjour. Bonjour, mon frère. Ça va? C'est comment? Ça fait longtemps. Hein? Super, super, oui, mon frère. Bien. Voilà. Ah, la nouvelle d'aujourd'hui, là. Oui. C'est bon, mais le français est compliqué. Non, non, elle n'est pas compliquée, mon frère. Elle est claire. En plus, il a bien détaillé. C'est très bien détaillé. Il sait pas qu'est-ce qui est compliqué. Moi, je vois pas qu'est-ce qui est compliqué, mon frère. Tu t'as pas vu, c'est bien détaillé. Il a bien expliqué. Vraiment, il a très, 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 très bien expliqué. Il suffit juste de les bien lire, de comprendre. Je vous assure que tout est bien détaillé. Voilà. Lorsqu'il dit que bonus, bonus, vous avez une énorme bonus de valeur de 125.
Si vous êtes un client payant de O-Connect, tous les clients O-Connect ayant acheté l'abonnement avant le 24 novembre aura une extension d'un mois entier ajouté à la durée de leur forfait. Ils avaient déjà 3 mois et une extension qui va se rajouter un mois de plus. C'est le forfait de 10 000 places, 10 000 participations pendant un mois sans frais pour vous. C'est une valeur de 125 $. Vous voyez, 30 jours ajoutés à votre compte. Est-ce que ça, c'est français difficile, non? Voyez, il y a des cadeaux spéciaux pour la fin de l'année. Tous les fondateurs, vous voyez. C'est-à-dire que, par exemple, si un client il rentre, lui qui payait 240 avec une remise des 50 au coin, il va payer que 190. Si c'est un fondateur, revendeur, au lieu de payer 143, il va payer 93. 93. C'est de lourd. C'est de lourd, vraiment, c'est de lourd. En fait, si c'est pour une durée limitée, à partir des 1er décembre, on va avoir plus d'informations sur de nouveaux informations, sur le nouveau package, le nouveau produit qui sont venus et comment ça va se passer. On va suivre notre CEO et tout est à merveille. Tout se passe très bien. Vous voyez, nous sommes à la grandeur, nous sommes très forts, nous sommes beaucoup, nous sommes plus grands. Et ça montre lorsque le passerelle de paiement, lorsque le PayPal nous supportait, on voit que vraiment que nous sommes nombreux. Vous voyez très bien qu'actuellement Zoom, elle utilise combien de millions de clients. Vous voyez très bien que tous ces clients-là, ils sont en train de venir vers nous. C'est logique quand même, lorsque les passerelles de paiement n'arrivent pas à nous supporter. Vous voyez? C'est logique. Parce que ça, c'est un défi. H, il savait que lorsqu'il a fait une offre à toutes les marchands, qui c'est qui peut faire la transaction, les grosses transactions, certains l'ont pris à la légère. Et voilà, voilà ce qu'ils ont récolté. Et d'autres, ils essaient, mais ça, le deuxième n'a pas pu. Il a vraiment compris qu'il ne peut pas. Le troisième, actuellement, voilà. Je travaille avec lui en douceur, doucement, en augmentant petit à petit. En même temps que les clients payent sans problème, et les fondateurs aussi payent sans problème, et que l'entreprise en même temps gagne, et que les marchands aussi prennent sans frais des taxes. Vous voyez, c'est sans problème. Comme ça, même les marchands, même l'entreprise gagne. Sauf, c'est vrai, certains n'arrivent pas à payer, mais actuellement, une fois que les passerelles de paiement seront ouvertes, ils pourront payer sans problème. Sans problème. Ils pourront se payer sans problème avec une offre de promotion de fin d'année. Et que l'on eux aussi 3 mois d'abonnement forfait de 90 jours. Après, il y aura plus de détails. On verra avec notre CEO. Vous voyez? Et aussi, une autre chose aussi que j'aimerais éclaircir. Avant le lancement, avant la distribution des clients de bonus, les fondateurs qui ont activé, par exemple, je prends un exemple, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes les 24. Si je prends aujourd'hui, par exemple, si je distribue les 20, le 28, s'il dit que je distribue le 28, les clients, les bonus, et qu'un fondateur active le 26, il a de la chance. Lui aussi, il va profiter des bonus. L'essentiel, c'est qu'avant la distribution des utilisateurs et des bonus, il faut activer. Je ne sais pas les délais, mais H va dire clairement. Il y aura un délai, je ne sais pas. Avant, c'était une semaine. C'était problème de paiement. Maintenant, je ne sais pas, H va dire les délais entre la distribution des clients et l'activation. Il y a un temps qui est très restreint. Donc, ça sera les courses avec la montre. Incitez à tous vos proches, vos points qui sont fondateurs et vos équipes de préparer votre somme, s'ils sont fondateurs, 93 $, et de préparer de charger votre arme, c'est-à-dire que votre carte,
pour payer. Ceux qui utilisent la crypto aussi, préparer un montant et mettre dans votre wallet pour activer par crypto. Profitez, partagez, empilez, voyez les gros bonus des fins d'année. Savourez les bons moments avec les bonnes années. Profitez avec le nouvel an, avec l'arrivée de mon passif, avec les grands changements du paradigme, la technologie. Vous voyez, avec vraiment des choses vraiment fantastiques qui vont se passer. Beaucoup de choses se préparent. Et aussi, j'aimerais vous partager, il y a plusieurs pages. Il y a plusieurs pages, il y a plusieurs pages aux médias, faites attention. La page officielle de aux médias, je veux vous partager. Un instant, la page officielle de aux médias. Je sais pas. Ah là là là. Mon ordinateur qui est vraiment, il veut que je redémarre, mais je ne vais pas le redémarrer. Ok. Bizarre. En fait, moi, je ne peux pas partager. Je sais pas, j'ai un problème sur le niveau de l'ordinateur. Donc, vous allez rentrer. C'est écrit YouTube .com-@omediaofficiel. C'était écrit comme ça. Donc, sans moi, je peux le partager. Je peux partager l'écran. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà, ça c'est la page officielle de Omedia. Ça c'est la page officielle de Omedia. Oui. Ça, c'est la page officielle de Omedia. Voilà. Tout va à merveille. Voilà, c'était ça pour le mise à jour, vous voyez. Et que, bon, sinon, s'il y a d'autres soucis, exposez votre souci si vous avez des questions. La parole est à vous. Maintenant, exposez, parlez, discutez. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on peut aller très loin, qu'on peut vraiment avancer par mètre. C'est comme ça qu'on peut aller. Vous voyez? Utilisez votre appareil sans clavier.
Souligner une action rapide, utiliser. Est-ce que je peux faire un instant? Ok, s'il y a des questions, on vous écoute. En attendant que je vais essayer de régler les problèmes des claviers. Résolution des problèmes. Safarel? Safarel? Un instant.
Bonjour, la famille. Merci bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Je viens à peine d'arriver, j'étais un peu en retard. La famille, vous vous portez bien, j'espère. Aujourd'hui, il y a tellement de belles choses à se dire. Ne vous inquiétez pas, on va se... Vous êtes là, la famille? Bonjour, oui, bonjour, Roger, bonjour, bonjour. Oui, Roger, bonjour. Ah, super. Attends. Attends. Ah, super. Je suis bonjour, content. Bonjour, bon arrivée, ouais. Ouais, c'est comment? Ça va bien, les hommes de valeur. Mon frère Mohamed, ouais, je sais que peut-être il a un souci, je sais qu'il va revenir après. Avant son arrivée, on va faire mise à jour concernant notre entreprise. Vous avez vu le purpose dans l'OS. Et aujourd'hui, on va faire le commentaire de ça. Je ne sais pas si vous avez compris. On va faire le commentaire de ça. Et puis, je pense que nous tous, on va s'entendre. Donc, il faut dire que... Il faut... Il faut dire que l'entreprise se porte bien. Le PDG est sorti, il a laissé les propos dans OS. Le premier point, ceux qui ont fait l'abonnement, on va partager et puis on va dire, bon, moi, j'ai déjà compris comment ça est. Ceux qui ont fait l'abonnement à partir du 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, 24 novembre, ils ont un mois de plus. Ça prend fin encore le 31 décembre. Il a repoussé le fin d'abonnement pour ceux qui ont fait l'abonnement depuis le 1er septembre. Vous comprenez? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont faire l'abonnement sur Oconnet, ceux qui vont faire l'abonnement sur Oconnet, il y a une remise de 50% pour les membres fondateurs. Il y a une remise de 50%. Donc, 143 $ moins 50 $, ça va faire 100, ça va faire 93 $. Que ceux qui vont faire l'abonnement, une remise de 50 $. Oui, 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 une remise de 50 $. Ça veut dire quoi? Les 143 moins 50 $, ça fait 93 $ que tu vas déboucher pour payer les 3 mois de Oconnet. Les 3 mois. Ça prend fin le 31 décembre. Ça prend fin. C'est un bonus spécial pour le mois de décembre. Ça prend fin le 31 décembre. Maintenant, les clients qui devaient déboucher 240 $ pour faire l'abonnement de Oconnet, il y a une remise aussi pour eux, les affiliés, une remise de 50 $ aussi. Donc, eux aussi vont déboucher. Donc, faire 240 moins 50 $, ça fait 193 $, j'espère, si ma tête est bonne. 190, OK. Ça fait 190. Donc, 240 moins 50, ça fait 190 $. Voilà les deux bonnes informations. Et la troisième, très, très bonne information, il faut dire que le paiement par carte sera disponible dans notre passerelle, mais ça sera régulé. Il faut, au fil du temps, ils vont augmenter le volume. Mais ne vous inquiétez pas, les choses se passent très bien. Ça sera disponible dans notre dans passerelle d'abonnement, vous allez voir le paiement par carte. Avec crypto, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Avec crypto, il n'y a pas de problème. Tout se passe très bien. Maintenant, il y a des gens qui disent certaines choses sur la plateforme. Je ne sais pas comment ils comprennent. Voilà ce que le PDG a dit dans le purpose. Et puis, il faut dire que notre grand ambassadeur, Chris Johnson, fait son anniversaire le 58e année. C'est donc la famille en passive. Lui a souhaité joyeux anniversaire. Donc, voilà les bonnes informations que le PDG nous a laissées dans notre back-office au fond, truc à OS. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un n'a pas compris ça ou bien la, parce que les gens, je ne sais pas quand ils prennent pas le contenu ou bien le fond et puis la forme pour pouvoir faire commentaire. Ils prennent ce qui les arrange et puis bon, je ne sais pas ce qui. Ils ont compris sur ça. C'est ce que le PDG a dit dans le OS. Ouais, il y a Mohamed qui est de retour. Je pense que... Mohamed, tu es là? Il est de retour. De toute façon, si tu es prêt pour prendre parole, je vais te passer le crachoir. Donc, voilà un peu la famille.
il faut dire que, à part ça, moi-même, j'avais l'argent des gens pour activer. Donc, ça fait que ça m'a je vais prendre, parce qu'il dit ça commence à partir d'aujourd'hui, 24 novembre. Donc, je sais que 24 novembre, aux États-Unis, ils sont en train de faire la fête Thanksgiving. Thanksgiving, c'est Black Friday aux États-Unis. C'est une fête qui a commencé depuis hier. Vous dites quoi? Il est mieux d'attendre jusqu'à demain pour payer. Ok, donc on va attendre jusqu'à demain pour ne pas faire une erreur. Ouais. Parce que les 50 dollars ne sont pas encore positionnés dans le bac. Oui, oui. Oui, parce que je vois que c'est aujourd'hui, donc c'est tellement limite. On va attendre peut-être demain pour pouvoir faire les abonnements. Vous voyez, on va attendre demain pour pouvoir faire les abonnements. Donc voilà un peu les bonnes nouvelles. Ne pensez pas que c'est ça qui est la bombe H. La bombe H, d'ici décembre, vous verrez ça. Les bonnes nouvelles. Oh, mon frère, ouais, comment il est joli, il est jovial, ce monsieur. Là, il brille de tout son éclat. On sent qu'il a changé de style de vie. Ça, c'est l'argent. J'ai redémarré l'ordinateur. Ouais. En contrôle. Donc, ça va bien, mon frère. Tu vois, j'ai éteint complètement, j'ai redémarré, la salle, elle est toujours là. Ouais, c'est pas fou. Tu vois, j'ai mis 2 hôtes, on peut mettre jusqu'à 3 hôtes. Mais là, c'est bon. Voilà, on peut mettre jusqu'à 3. Mon frère, comme tu étais en retard, il y a te passer la parole, il y a déjà parlé un peu sur le propose, tu peux revenir dessus. Oui. Pour faire la mise à jour et puis bon, on va passer à autre chose. Je voyais, il y avait un moyen de faire 3 hôtes. Je vais voir, attends, je vais t'enlever les co-hôtes. Je vais essayer de mettre les hôtes pour voir est-ce que c'est possible. Ok. Attends, je vais voir. Excusez-moi. Bonjour, Rodia. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Bonjour. Maman, Olga. On dit quoi, maman? Ça va bien? Oh, avec les nouvelles de ce matin. Ah, waouh! Wow. Ouais. Les nouvelles se portent. En tout cas, nous sommes tellement contents. Nous sommes vraiment contents. Félicitations à notre PDG, vraiment. Ah, notre PDG, il ne comprend pas ce monsieur-là. Comment? Non, vraiment. Il a encore cassé le prix. Il a cassé pour rattraper ceux qui retardent. Ça veut dire quoi? On vous attache encore. Revenez. Voilà. Revenez. Vous passez, revenez. Revenez. Ça veut dire quoi? Ce que vous devez comprendre, hier, on a parlé de ça. Ça, c'est un non-retour. Ça veut dire que on attrapait vos mains jusqu'à ce point-là. C'est lui qui va trébucher dans ça, là. On s'en va, hein? On n'a pas le temps. Ouais, le PDG, c'est vrai. Il sait pourquoi il fait ça. Donc, c'est le moment. Tu ne peux pas... C'est parce qu'il est entré. Oui, c'est vrai. Donc, on encourage tout le monde. Oui, allô? Je dis, le PDG, c'était un bon berger. Il ne laisse pas ses brebis en arrière. C'est pas fou, hein. Il met toujours ses brebis devant lui pour marcher. Donc, tous les brebis qui sont en arrière, il stoppe les autres qui sont en avant, il dit, attendons-les. Tout le monde doit monter à bord. C'est le bateau de Noé. Tout le monde doit monter à bord de ce bateau. Ça, c'est la vérité. Voilà. Ça, c'est la vérité. Oui. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Moi, j'encourage tout le monde. Tu sais, actuellement, on a Salam alaikum. Salam alaikum. Malakou salam. Alaikum salam, le professeur. Buenos dias. Je vais annuler tous les comptes de Roja. Et désormais, il va payer 93 dollars, c'est mieux. Mais quand sont déjà activés, comment tu vas annuler? Non, je vais annuler. Tu me connais pas. Je vais annuler ça. Dans le remboursement, après, tu restes une deuxième fois. En fait, le PDG, on vous a dit, il a toujours une solution. Il a toujours une solution. Et il a toujours un secret dans cette. Il a toujours un secret. Ce qu'il a fait là, les gens ne comprennent pas. Moi-même, depuis lors, nous, on savait que même comme il a eu un peu de trucs, il va trouver une solution palliative. Même ceux qui ont activé le premier, ils ont un mois encore. Regardez, un mois encore pour utiliser. C'est extraordinaire. Donc, toi, tu viens d'activer. Je vous ai dit que dans cette industrie, chacun va
prendre sa position, va se distinguer en fonction. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, tu ne vas pas dire que c'est à cause de Passerelle que je n'ai pas fait mon abonnement. Lui, là, même dans le Popos, il a dit qu'avec la crypto, il n'y a pas de problème. Oui, sans problème. C'est pour dire quoi? Avec la crypto, on n'a pas de souci. C'est pour dire quoi? Avec ça, quelqu'un ne va pas juste. Non, parce que je pense qu'il a tenu compte au moins 2 semaines, 3 semaines où les problèmes de carte. Et comme les gens le mettent. Mais aujourd'hui, tout est clair. Il a fait une remise. Et il y a des gens, parce que ceux qui ont retardé 93$, là, si tu n'as pas fait ton abonnement, il ne faut pas accuser M. Mohamed. Il ne faut pas accuser M. Mohamed. Là, maintenant, avec 60 000 francs seulement, tu fais l'affaire. Ah! 60 000 francs seulement, tu fais l'affaire. Si là, la tête, tu n'as plus fait quelque chose, vraiment, c'est que tu n'as pas fait pour un passé. Oui, oui. C'est vrai. Vraiment. C'est ça. Attends, je vais tester mon clavier. Ah, c'est bon maintenant, ça passe. Yeah. Mohamed, le gars, il était mis en contact. Vous avez pu causer? Non, il ne m'a pas appelé. Il m'appelle beaucoup, il ne sait même pas c'est quoi. C'est une nouvelle vidéo de Supercar Majlis. Bon, ça c'était le nouveau vidéo de Supercar Majlis. Wow, ils sont très forts. Hein? Ils utilisent vraiment de pas mal des effets spéciaux. Oh. Roja. Roja, on t'appelle. Roja. Attends un instant. Un instant. Quoi? Oui, ça. Oh. Oui, ça fait un numéro, ça fait oui. Daniel. Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur qui bègue. Ok. Ok. Voilà. Vous voyez les bonnes nouvelles? Ah, c'est une teaser là. Vous voyez, OConnect actuellement, elle est stable. J'ai éteint mon PC complètement. J'ai redémarré mon PC. La réunion, vous voyez. Elle est toujours ouverte. C'est drôle, très bien. Sans remarquer un petit changement. Vous voyez, vous étiez resté quand vous l'étiez et voilà. Moi je vous ai rejoint sans problème. Vous voyez que la fonctionnalité qu'on possède,
et qu'aucune autre entreprise ne possède ça, ni Google Meet, ni Zoom, ni aucun. Allumez Zoom, une réunion, redémarrez le PC hot. Vous allez voir que tout va sauter. Vous êtes obligé de remettre une deuxième fois. Vous voyez? C'est vrai. Il y avait mon clavier qui s'est bloqué un peu. Donc, pour prendre le contrôle de mon clavier, donc, j'ai redémarré. Mais j'ai remarqué que vraiment, en faisant les deuxièmes hôtes, c'est sans problème. Vous voyez, la réunion, elle était toujours opérationnelle. Waouh! Ça, c'est quelque chose que vraiment, qu'aucune autre vidéoconférence ne peut le faire. Faites par exemple Google Meet ou Zoom. Ça ne peut pas se faire ça. Jamais. Jamais. Tant qu'il y a un hôte qui est actif, tu peux toujours garder les réunions out, non, live. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que vraiment, on connecte. Vraiment, il y a pas mal de choses à découvrir. Oui, bonjour. Bonjour, Christian, bravo. Comment allez-vous? Oui. Bon, ça va très bien, merci. J'ai raté ce que vous avez dit là parce que mon téléphone a sonné, j'étais en train de parler au téléphone. Quand, maintenant ou tout à l'heure? Oui, il y a juste une minute. Est-ce que vous pourriez répéter ce qui est faisable? D'accord. Ouais. Voilà. Par exemple, si vous ouvrez une salle, oui. Si vous ouvrez une salle, nommez une deuxième hôte. C'est très important. Pourquoi? Parce que si un beau jour, coupure d'électricité, ou problème d'Internet, ou quelque chose qui va se passer, ou blocage du clavier, comme j'ai eu les mêmes problèmes, ça peut se passer. Et que, donc, par exemple, moi, je prends un exemple sur moi. J'ai un blocage du clavier, j'ai éteint mon ordinateur complètement. Avant ça, j'ai déjà nommé une deuxième hôte. J'ai éteint mon ordinateur. Mais la réunion s'est déroulée sans problème, comme d'habitude. D'accord. Voilà, puisqu'il y a un deuxième hôte qui est déjà actif. D'accord. Oui. Donc, j'ai redémarré mon PC, j'ai paramétré le système, et tout, mais je suis revenu pour la réunion, sans problème. D'accord. C'est quelque chose que les autres vidéoconférences ne peuvent pas le faire. Ni Google Meet, ni Zoom ne peuvent pas le faire. Ouais, même l'enregistrement, même c'est pas arrêté, ça fonctionne sans problème. Vous voyez, des fonctionnalités qui peut pas comparer avec les autres. Nous sommes uniques sur ces fonctionnalités. Uniques. C'est comme si vraiment, c'est trop fort. Et quand vous revenez, vous prenez la réunion en cours, mais vous perdez ce qui s'est passé entre-temps, pendant votre interruption? Non, c'est déjà enregistrement. Si je souhaite le revoir, oui, l'enregistrement est là, je peux le revoir. Non. Mais comme je vis, il n'y avait aucun système. Par exemple, si vous utilisez ces genres de systèmes avec Zoom ou Google Meet, la salle saute automatiquement une fois que l'ordinateur du hôte a un problème, c'est fini. Parce que l'organisateur, c'est lui, non? Directement, ça bloque. Mm-hmm. On est obligé de revenir. Vous voyez, avec O-Connect, il n'y a pas ce problème-là. Mm-hmm. Même l'image, la qualité de l'image, on a ultra HD. Ça, hier, j'ai montré. Là où, alors, là où... justement, je n'ai pas pu suivre hier parce que je ne savais pas où ça se trouvait. Mais, donc, après la réunion, j'ai créé donc, un webinaire et puis j'ai recherché, j'ai trouvé les paramètres, mais je ne comprends pas trop ce que ça signifie, en fait. Oui, en fait, c'est les paramètres vidéo. Là-haut, par exemple, O-Connect, vous voyez la salle O-Connect. Oui. À droite, là où il y a les réseaux, trois barres de réseau vert. Oui, c'est ça. Oui, j'ai trouvé les paramètres de connect. Super. Mais à l'intérieur, en fait. Voilà, par exemple, vidéo. Vidéo. Cliquez vidéo, je vais vous montrer. Cliquez sur vidéo. Je ne suis pas connecté. Ah, d'accord. Bon, je vais me connecter pendant que vous continuez. On va revenir dessus tout à l'heure. Je vous laisse continuer. D'accord. Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour Bawa. Bonjour Mohamed. Bonjour mon frère. Ça va, merci. Bon, je crois que par rapport à ce qu'il
demande là concernant quand il est éjecté de la salle et quand il revient, est-ce qu'il peut rattraper? Je crois que lors d'un webinaire, Acha a dit qu'il y aura une option qui fera que ceux même qui sont en retard pourront rattraper, c'est-à-dire revoir ce qui s'était passé et puis rattraper le coup, quoi. Il y en a, parce que normalement, c'est H dont tu parlais, c'était live streaming. Par exemple, actuellement, chez nous, ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Dès que tu as pas comme les chaînes d'information France 24 qui font en live à travers YouTube, il y a certaines, ils sont en live, mais tu peux revoir ce qu'ils ont déjà diffusé en faisant en arrière. En même temps, tu peux être direct avec ces deux. Voilà, c'était un apport pour ce. Voilà, c'était le même, ça met. Voilà, c'était pour. Un peu d'eau au moulin. Voilà, voilà. Oui, je redis montrer, mais chez moi, si je vous montre, attends, qu'est-ce que ça affiche? Attends, je vais montrer les captures d'écran. Qu'est-ce que ça affiche lorsque j'utilise le live streaming? Je vais montrer. Qu'est-ce que ça affiche? Même, je vais faire capture d'écran, je vais vous montrer. Cliquez. Voilà. Attends, je vais faire capture d'écran de ça. Capture. Enregistrer. Capture. Image capture. Un instant, je vais monter les captures. Ok, c'est bon, il est déjà chargé les captures. Vous voyez comment ça sort? Normalement, lorsqu'il dit que cette application est bloquée, il faut que en bas, ça sort Advanced. Une fois que tu cliques, tu autorises, normalement ça passe pour certains. Mais moi, je n'ai pas. Donc, je suis bloqué. Même j'ai regardé la restriction, pop, autorisé, tout ça, j'ai tout fait. Et voilà, ça ne passe pas. Vous voyez, il n'y a aucune deuxième chance qu'il me donne pour accéder. Donc, bon, déjà, tellement ils sont conscients du problème, ils vont le résoudre. Actuellement, ils sont conscients du problème, ça, ils vont le résoudre. Parce que c'est sur certaines régions, ça passe, certaines régions ne passent pas. Ils vont le résoudre normalement sans problème. Vous voyez? Aussi, explorer aussi le chat. Sur le chat, en parlant. On peut écrire sans problème en parlant, mais actuellement, je crois que lui, il comprend que l'anglais seulement. Dès que je parle, il écrit en anglais. Mais ça va se stabiliser avec le temps, ça va bien démarrer. Et SML, ça c'est le design, la size de l'écriture des messages. Vous pouvez voir, vous pouvez agrandir, vous pouvez diminuer. Ouais. Il y a aussi pour le chat entre les speakers. Il y a aussi un chat général pour le groupe. Il y a aussi, ça c'est, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. Les K et A, c'est pas encore disponible. C'est le résumé de toutes les réunions. Ça va être affiché ici. Pour le moment, cette option est désactivée, mais elle va être disponible au moment venu. Ce sont les résumés que Peter Sourour et Darek Cool qu'il faisait. On l'aura ici fait par l'intelligence artificielle. Vous voyez, on aura ces options. Et il y aura, vous voyez, sur O-Connect, des fois, la réalisation. Vous voyez, lorsqu'on fait une cinématographie ou lorsqu'on est dans un studio de production,
Il y a le réalisateur qui doit tourner les caméras vers les personnes qui font l'action, qui parlent. Ici, c'est l'intelligence artificielle qui prend le contrôle. Lorsque moi je parle, les caméras se fixent vers moi. Lorsque quelqu'un d'autre parle, les caméras se fixent vers l'autre. Vous voyez, ça c'est l'intelligence artificielle. Et les hôtes aussi, ils peuvent changer. Voilà, vous voyez, ils peuvent changer. Mettre, vous voyez, moi celle, je peux mettre en large, Ou ça, je peux mettre en général aussi. Oui, tu vraiment, il y a plus d'options. Il y a aussi des, comme vous voyez, on a différents musiques sonores. Vous pouvez discuter avec les musiques sonores, différentes musiques sonores, voilà. Il y a beaucoup de sortes de musiques sonores. Il y a aussi les backgrounds de musique qu'on a là. Vous voyez, pas mal, vraiment. Vraiment, il y a beaucoup de nature, relax, il y a beaucoup de choses. Mohamed ? Oui ? Comment on peut mettre deux co-hosts ? Est-ce que ça a été arrangé, le fait que, par exemple, toi, tu es le hôte principal et comme tu as nommé Asma second host, si maintenant, toi, oui. Tu te déconnectes de la réunion sans prévenir Asma que voilà, tu sors de la réunion, est-ce que ça nous déconnecte tous ou alors on reste toujours connecté parce qu'il y a un autre qui est connecté encore? Voilà. Normalement, si Asma, maintenant j'ai mis Asma haute, si par exemple, il y a toujours un imprévu, par exemple, il y a une coupure d'électricité. Mm-hmm. Chez moi, il y a une coupure d'électricité. Pourtant, c'est moi qui ai organisé les réunions, mais il y a une coupure d'électricité, tout ça s'éteint. Mais pour vous, vous n'aurez rien remarqué à part que vous allez voir que moi qui ai quitté la salle. D'accord. Okay. Comme tout à l'heure, vous allez voir, vous avez remarqué ça. Et vous ne saurez pas la raison pourquoi j'ai quitté la salle, à part que moi-même, je vous dis pour quelle raison, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Comme ça. C'est pour ça que c'est bien de mettre chaque fois qu'on fait une réunion, c'est mieux de faire des hôtes. Un deuxième hôte, oui. Pour ne pas que la salle s'interrompe, les réunions. Comme ça, ça peut aider à ne pas sentir même un moindre seconde de blocage. J'ai levé la main physiquement, vous voyez. Je veux parler. Tu n'as pas levé la main, professeur. J'ai levé la main physiquement. Non, on ne te voit pas. Physiquement, c'est sans prévenir directement. Mais vous devez voir, on utilise l'intelligence artificielle. Normalement, vous... Oh, et maintenant. Bon, au fait, merci Mohamed pour répondre à la question de Maman Olga. Oui. C'est une très bonne question, Olga. Oui. Alors, Mohamed a bien expliqué. Mais je voulais rajouter un peu. Oui. Si aujourd'hui même, il n'y a pas deux hosts, il est le seul host, s'il ferme son ordinateur ou bien coupe de courant, un truc comme ça, la salle reste toujours ouverte, comme il a expliqué tout à l'heure. Mm-hmm. Vous voyez, même sans la présence d'un deuxième host. Mais si il y a la présence d'un deuxième host et que Mohamed, lui, il est fatigué, il a quelque chose d'urgence, il veut partir. Et il a fait, par erreur, quitter la salle, c'est-à-dire déconnecter la salle. Même s'il y a la présence d'un deuxième host. Non, ça ne fonctionne pas. La salle se ferme. C'est fermé. Voilà, exactement. Mais je pense qu'ils vont corriger après, de telle sorte que dès qu'un deuxième host, et le host principal, bien le deuxième, va quitter la salle, bon. La salle va rester toujours fonctionnelle. Même tout de suite, si Asma veut quitter la salle et qu'elle appuie sur le bouton rouge, je quitte la salle, même si Mohamed est là en tant que hôte principal, la salle va se fermer. Ça, c'est fermé, c'est vrai. C'est pourquoi Asma, quand elle sera fatiguée ou bien elle a une urgence pour quitter la salle, elle doit dire à Mohamed de le déconnecter de host. Voilà. Sinon, si elle quitte la salle va se fermer. Vous vous rappelez, non? Merci, professeur. Bien compris.
Vous vous rappelez une seule fois, non? Lorsque, je sais pas, c'était lorsque on n'arrivait pas à partager, les moments qu'il y avait un problème sur le partage d'écran. Oui. Ce que j'ai fait, je ne me suis même pas déconnecté de la salle, juste j'ai fermé les pages là où il y a la réunion. Oui, voilà. Pourtant que le hôte, j'étais seul hôte. Juste j'ai fermé là-haut. Mais pourtant, la réunion fonctionnait sans problème. Voilà. Oui, moi, je trouve ça intéressant parce que même si aujourd'hui, tu es host, voilà. Asma est host, et voilà. que vous deux, vous êtes fatigués ou bien vous voulez quitter la salle, il voilà. suffit juste de fermer votre navigateur. Navigateur, exact. C'est ce que je faisais. Éteindre votre ordinateur. Sans, voilà. ne touchez pas au bouton rouge, se déconnecter de la salle. Voilà. D'accord. Mais, donc, si les deux quittent la salle, nous, on peut continuer à faire le webinaire jusqu'à X time. D'accord. Voilà. Exact. Alors que les deux hosts ne sont pas là. Voilà. Exact. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec O'Connect si tout le monde quitte la salle? La salle va rester comme ça, dans l'écosystème, mais va disparaître une heure de temps après, parce qu'il n'y a pas, il y a plus d'activité. Il n'y a plus d'activité, c'est vrai. Okay. C'est comme ça que ça se fait. C'est pour ça que je veux revenir sur ceci. Les gens posent beaucoup cette question-là. Il dit que moi, j'ai programmé ma salle pour une heure de temps, mais je vois que je fais 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Est-ce que les une heure là ne sont pas pris, ne sont pas en compte ou bien comment? En fait, les une heure ou bien les 2 heures ou bien les 3 heures que vous aurez programmées dans la salle, dans l'écosystème, c'est-à-dire dans le back-office de O'Connect, c'est le temps d'activité, d'inactivité qui de la salle au fait. Donc, si tu programmes une heure aujourd'hui, tu peux faire une réunion de 24 heures. Tant qu'il y a une activité, la salle est toujours opérationnelle. Okay. Mais si vous ne touchez à rien, il n'y a pas d'activité, la salle n'est pas ouverte. Vous-même, vous programmez une heure de réunion, la salle n'est pas ouverte. Au bout d'une heure de temps, vous allez voir que la programmation va disparaître de votre écosystème. Voilà. C'est vrai. Okay. Donc, c'est ça, en fait. Bon, peut-être avec le temps... Peut-être qu'ils vont améliorer d'une autre manière, ils vont corriger certains trucs ou bien ils vont changer complètement le rôle. C'est-à-dire, quand tu programmes une heure, dès qu'une heure arrive, il va te faire un signe que voilà, et le temps que tu as programmé arrive à terme. Si tu veux augmenter comme avant, si tu veux augmenter ou bien. Oui, si oui, oui, exactement. Peut-être qu'ils vont venir là-dessus après. Oui, oui, c'est vrai. Mais pour le moment. Tu peux programmer 30 minutes de réunion, mais tu peux faire 48 heures, 72 heures de réunion. Tant que la salle est ouverte, ça va rester comme ça. Ça va, exactement. Donc, il y a une méthode aussi pour voir que, par exemple, moi qui est hôte seulement, si je ferme le navigateur, je peux remarquer que là où il y a les liens de O'Connect, c'est en progression. Si la salle elle est toujours ouverte, vous allez voir en progression. Oui, en progression, oui. En progression, c'est-à-dire qui signifie que la salle elle est toujours active. Active, oui. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas bon, active. Donc, comme ça, donc, il suffit que je clique sur en progression, je peux rapidement rentrer à l'intérieur. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses. Hein. Encore, encore et encore, ça va se rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être partagées. Ah, vraiment. Alors, vraiment, je crois que ça m'a beaucoup édifié. C'était des questions qui trottaient dans ma tête que j'allais poser. Et heureusement, pour moi, Mohamed et Jordi, ils ont apporté vraiment des éclaircissements. Merci, 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 merci beaucoup. Tu nous dois $93. Exact. Mais Jordi, tu sais que à toi, je dois beaucoup. Tu me dois tout le Togo, même. C'est ça. Comment j'étais taquée derrière le mur, là. Ça, je te dois trop, même. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je t'amène dans la montagne pour voir ce que je cache là-bas. Merci beaucoup, merci. Mais, professeur, oui. Les 93, voilà, c'est ce qu'on dit, $93, ça va être effectif au moment où l'activation des cartes va reprendre. Ou alors, c'est effectif au 1er décembre. Une très bonne question, mais je crois que
On ne peut pas se prononcer à 100%. Moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer à 100% là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la crypto-monnaie qui fonctionne. Et c'est aujourd'hui que la nouvelle vient de tomber. Mais si quelqu'un essaie aujourd'hui avec crypto-monnaie et que les nouvelles qui viennent d'arriver, ça correspond, donc ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui. Mais si ça ne passe pas, ce qui veut dire que à partir du 1er décembre, ça va commencer. OK. Parce qu'il faut que ça, il faut que ça commence à partir du 1er décembre pour respecter les 30 jours qu'ils ont donné. Exactement. Oui, oui. Voilà. Et il y a aussi, j'ai lu le bonus de 125 dollars pour ceux qui ont activé au Connect avant le 24 novembre. Non, il n'y a pas de bonus de 125 dollars. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas? Il n'y a pas, il n'y a pas. 50, 50. Bon, j'explique. Ma maman, moi-même, je suis arrière-plan en train de tester tous ces trucs-là. Bon, je sentais voir que bon, c'est pas encore. En fait, il faut comprendre. Ceux qui ont activé le 1er septembre jusqu'en 24 novembre. Oui. 24 novembre. Oconnet avait un prix de 125 dollars. C'est ce qu'on dit. Tout à fait. Ça prenait fin le 30 novembre. Maintenant, tout ce, l'intervalle ouvert 1er septembre a fermé 30 novembre. Mais 24, parce qu'il a dit 24 à partir d'aujourd'hui. Oui. Vous avez une prolongation jusqu'en 31 décembre. Nous avons une prolongation jusqu'en 31 décembre. Tu comprends? C'est-à-dire que notre Oconnet va prolonger, continue va actualiser jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup. Mais à partir de 24 aujourd'hui, là, ceux qui vont activer Oconnet, à partir de 24, donc ça, la nouvelle vient de tomber, à partir de 24, jusqu'à ceux qui vont faire l'abonnement de Oconnet, il aura une remise de 50 dollars pour les fondateurs et une remise de 50 dollars pour les affiliés. Oui. Donc, mais je viens de tester. Je pense que c'est pas encore tout, parce qu'il y avait deux comptes activés avec j'ai leur argent de 143 dollars et puis la nouvelle vient de tomber. Donc, je sentais voir parce qu'il ne faut pas faire comme ça et puis tu vas activer, ça va traîner au chaud. Donc, je vais laisser la journée d'aujourd'hui. Demain, puisque l'intervalle aujourd'hui est 24 novembre, donc on est dans l'intervalle de ceux qui activent avec 143 dollars parce que la journée n'est pas terminée. Donc, on laisse la journée d'aujourd'hui. À partir de demain, je pense qu'on va faire la démonstration ici pour l'activation de 93 dollars. Il y a l'argent de deux comptes, on va le faire. Donc, on va voir à partir de demain. Oui. À partir de demain, oui. En fait, il y a aussi une chose, avant de faire le paiement, la partie là où vous voyez le paiement, maintenant, vous avez vu sur l'écosystème des fondateurs, il y a 107 dollars qui est déjà là et en bas 143, c'est-à-dire que c'est nous qui payons 143 et en tout 143 plus 107, c'est 250 dollars. Mais maintenant, avec les mises à niveau de l'écosystème des paiements, on va voir 107 plus le montant des 50 au coin qui nous a été donné. Ça, on va voir les 50. Après, plus, on verra les 93. Les 93, c'est-à-dire que c'est nous qui va payer. Nous, on paye les 93, plus les 50, plus les 107, en tout ce qui va donner à 250 dollars. C'est ça. Ça, c'est Mohamed, pour le compte. Mohamed, est-ce que ce ne serait pas intéressant que tu arrêtes l'enregistrement pendant ces questions? Oui, c'est mieux. Parce que les informations ne sont pas vraiment, entre